Aujourd'hui, reprise du mode carrière. Alors, pour être sûr d'où on en est, on va aller voir le calendrier. Et normalement, voilà, on avait gagné 1-0 le premier match barrage. Donc là, on a le deuxième match barrage à jouer aujourd'hui pour être qualifié pour la Ligue des Champions, les amis. Donc on espère bien évidemment réussir ça. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. En termes d'équipe, on va aller voir ça, comme ça vous pouvez un petit peu visualiser ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. On a une grosse équipe, hein. Alors, première année, en gros, on a pris beaucoup de joueurs libres qu'on a pu revendre assez cher et on allait miser sur les petites pépites qu'on connaît, c'est-à-dire Koumbendi ici, qu'on allait chercher à l'OL. On a Zaïre Emery qu'on allait chercher au PSG, bien évidemment. Barcola aussi qu'on a pris au PSG. Pourquoi on a pris ces jeunes-là? Tout simplement parce que c'est les seuls joueurs qu'on peut éventuellement aller chercher, qui vont accepter de venir dans le club parce qu'ils sont encore jeunes et du coup qu'on peut signer et acheter, quoi. Bon, on a mis pas mal de sous dessus. Et on a ensuite tout le reste de l'équipe qui est un effectif de pépitas. C'est-à-dire Radu, il a 18 ans. Colombo ici, 17 ans. Koubendi aussi, on peut le mettre dedans, 19 ans. Greco, 18 ans. Porza, 18 ans. Faye, 18 ans. Zaïre Emery, 18. Barcola, 21. Campos, 16. Carrizo, 16. Et Branco, 19. Voilà, c'est que des pépitas qui sont dans le club. On a aussi pas mal de joueurs en prêt. Et donc, du coup, voilà, cette saison-là va être une saison un petit peu, comment dire, bancal, je pense, en termes des résultats. On va pas forcément réussir à être champion ou quoi. Mais on va tenter, en tout cas, d'aller monter ces jeunes-là et essayer d'être malin pour que dans, allez, 4-5 ans, bon, allez, 3-4 saisons, peut-être, on puisse déjà jouer éventuellement une Coupe européenne. C'est le but, quoi. Allez, la saison passée, on a été champion. À notre plus grande surprise, mais on a été champion, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Jouer match, bien évidemment. On va faire comme d'habitude dans ces matchs-là importants. On a gagné 1-0 à l'aller. Les temps forts, uniquement, et essayer de gagner. Pourquoi tu ne mets pas Football Manager? Parce que trop compliqué, même si on simplifie le truc, puis j'ai pas le temps. En vrai, j'ai pas le temps, frérot. J'ai pas le temps. Pas le temps. Allez. Espérons aller gagner ici. Alors, possibilité de centre, c'est très bien, ça me va. Allons centrer, pas de problème. Centre vite fait, quoi, quand même. J'ai respecté, hein, j'ai centré, hein, parce qu'ils m'ont dit possibilité de centre. Ah, dommage. Toujours 0-0, attention, hein, aux surprises de IE aussi, des fois qui te met un score alors que t'as pas eu d'action. D'accord. Donc ça, c'était une action pour moi, ça? Attends, il s'est passé quoi? Attends, c'était moi qui avais l'action au début ou c'était eux? J'ai pas bien compris. Ok, chelou. Possibilité de centre. Qu'on la sort, celle-là. Et attention, les gars, oh! Qu'est-ce qui se passe, là? Non. Oh, putain. Non. On perd 1-0. Attention, on a égalité sur l'ensemble des deux matchs. J'ai pas beaucoup de solutions en vrai, hein. Oh là là, attends, j'ai peur, les gars. J'ai peur. Bien, gardien. Oh, penalty. Oh, ça va nous sauver, ça, peut-être. Allez. Let's go, let's go. Allez, juste à tenir le score, c'est la 89ème, c'est la dernière pour eux, je crois.
contre-attaque. Oh non. Ah, c'est bon. Oh, on a eu chaud, les gars. Ah, c'était pas si simple. Hein. C'était pas si simple. Mais ça passe, les potes. Et du coup, normalement, si je me trompe pas, on devrait être qualifié. Je vais vérifier ça. Ou s'il y a encore un tour. Je sais pas trop. On va... C'est bon, hein. Ouais, je crois que bah là, on a un prochain match. C'est Galatasaray. Attends, c'est quoi ce... transfert bureau. Non, on va aller sur classement. Ah non, on a encore un barrage, putain. Contre Galatasaray. Oh putain, c'est dur là. Mais quoi qu'il arrive, avec la victoire qu'on a fait, je pense qu'on est de toute façon en Europa. Quoi qu'il arrive. Et ça serait beau de faire une... Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile, hein, les gars. Bon, allez. On y va contre Zurich, ici. Donc du coup, comme d'habitude, les gars, on a prévu la deuxième équipe pour pas fatiguer trop les gens. C'est ce qui va se passer. Et on va simuler rapide, ici. Et on gagne 2-1. Nice one. Parfait. Et du coup, la qualif va se jouer maintenant. Galatasaray, favori, hein, clairement. Clairement favori. On va tenter tout ce qu'on peut faire, les potes. Et puis voilà, on va espérer que ça passe. On a l'équipe première, jouer temps fort. Galatasaray pour la qualif pour la Ligue des Champions. Mais quoi qu'il arrive, je crois qu'on est renversé au pire en Ligue Europa. Allez. Il y a Icardi qui est là. Bien évidemment. Bon, attention, le jeu de tête en plus, ça va être quelque chose qui sont forts là. Ok, bien. Ok, une attaque pour nous, ça fait plaisir. Comment on peut jouer ça? On va rentrer dans les 16, hein, bien sûr. Oui, Campos, let's go. Allez, les gars, on peut le faire. On peut le faire. Oula, attention. Icardi qui part contre Greco. Si le ballon passe, le joueur ne passe pas. Bien, gardien. Oh, il m'a fait kiffer. Par contre, là, tu dois faire plus. Bien, gardien. Ça, c'est les matchs qui font grandir, ça. 18 ans, il tient tête à Icardi, c'est beau. La chatte aussi, mais voilà, il en faut. Hein. Bien, superbe. Non, Zahir, qu'est-ce que tu me fais là? Ça serait bien, si on arrive à en mettre un deuxième, les gars, ce serait ouf, mais on... Oula, je crois qu'il part là-haut. Non, oh oui. Ah non, j'aurais dû contrôler. Attention, deuxième mi-temps. Salut Dad. Oui. On se bat, hein. Là, c'est de la défense, hein. Trop de joueurs dans le mur, là. Oui, gardien. Oh oui. Oh oui. Oh putain, ça va être... Oh, il faut pas stresser. Je le fusille. Je pense que je vais le fusiller. Let's go. Campos doublé pour lui, le petit jeune. Du coup, il n'y a pas eu de bug. C'est bon, 2-0. On est OK. On est OK, 2-0, les gars. On est bien parti pour le retour. Attention, hein, ça va être dur là-bas. Mais il y a de l'espoir. Et là, on doit jouer Zurich. Du coup, bien sûr, on fait jouer l'équipe numéro 2. Histoire de pas avoir de blessés. Et on gagne 2-0. Les gars, on est bien. On est vraiment bien. Il est chaud comme boss. Mais avant, quand tu vas voir l'équipe... Non, en passant devant Amazon. Quand tu vas voir l'équipe et que tu regardes Radu,
Forza, de belles perspectives d'avenir. Il est prêté, de belles perspectives, peut devenir spécial, doté d'un énorme potentiel. Doté d'un énorme potentiel, peut devenir spécial. À ce petit quelque chose en plus, Derek, de belles perspectives d'avenir. Et nos buteurs, ouais, peut devenir spécial, de belles perspectives d'avenir. Et on a aussi beaucoup de petites pépites en prêt, hein. Donc il y a vraiment moyen d'aller chercher un truc. Ah, par contre, j'ai vu au centre de formation que j'avais un joueur qui avait fini son modification de poste. Attention, hein. Alors là, on avait mis défenseur. Alors oui, on avait tenté de le mettre défenseur droit parce que c'est éventuellement un poste qu'on aurait voulu avoir. Je suis pas sûr qu'on a fait un bon choix. Là, il avait 65 de général et maintenant il a 65. Ok, ça change pas grand chose. Du coup, il faudrait qu'on lui mette. Faudrait qu'on lui mette quoi ? Comme stat en plus. Vitesse, défense et tout, ça va être un peu ça, hein, je pense, en vrai. Latéral défensif, j'aime bien. Vas-y, latéral défensif. On continue. Là, on va passer la date limite parce qu'on n'avait plus rien à faire sauf erreur là-dedans. Attends, j'ai 9000 quand même, on va là. Ouais, tant pis. J'aurais peut-être dû aller voir les 9000 avant, mais c'est pas grave. Rapport mensuel. Ok, c'était que ça. Du coup, on a un petit rapport, on va aller voir ça. Pour voir si on n'a pas des petites pépitas ici. Alors, lui, il pourrait déjà 1 500, on prend. 300 000, ça va pas être intéressant. 400 000, ça va pas être intéressant. Non plus. On en a un là, assez intéressant qui est arrivé. Oui, j'ai bien sûr fait les changements de poste, bien sûr. Bien sûr, comme d'hab, les gars, comme d'hab. Et Gérard. Alors, je regarde déjà en prévu. Prévu, ça pourrait être lui. Non, même pas. Malheureusement, il n'y a pas de pépite ici sur ce coup-là. Ok. Du coup, on va aller voir le centre de formation pour rencontrer notre nouveau petit... C'est lui là, Fischer. Alors Fischer, il a 5 étoiles de geste technique quand même, hein, faut pas déconner là-dessus. Tire de loin 62, passe longue, passe courte. Ouais, c'est plutôt un milieu offensif pour moi lui, hein, qu'un milieu... Ah bah c'est un milieu offensif déjà, pardon. Il est déjà milieu offensif. On va lui mettre 9,5. Et on verra ce que ça donne, mais aussi un joueur assez intéressant ici. Non, je crois qu'il faut que j'aise comme ça de toute façon. Ah. Koumbedi. Non, on garde. Allez, deuxième match, il est là les gars. Le match pour se qualifier cette fois-ci vraiment pour la Ligue des Champions. On a gagné 2-0 au match aller, on s'est fait dominer mais on a réussi à marquer sur nos deux occasions. Il va falloir être solide ici. Il va falloir être solide pour aller chercher la qualif. Oh, les maillots par contre, pas terrible. Mais bon, on y va comme ça. Oui, là, bon, là, il devait marquer. Ok, 2-1, très bien. Contre-attaque pour eux. Putain, 14ème. Oh là, ok, c'est le pire début de match. Hein. Là-bas, en vrai, tu commences le match à 3ème minute, il marque déjà le premier. T'es pas serein. Dommage. Hein, on pouvait pas faire grand-chose, c'est clair. Ça, c'est clair. Bien joué, Gréco. Oh, putain. Ah, il lui file des cartouches, hein. Il lui file des cartouches, hein. Bien, Radu. Oh là 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 là. On va subir tout le match, hein. Oh, puis là, c'est nouveau un centre chelou, là.
Ouais, mais bon, là, là, c'est dur, là. Ah non, putain, non. Oh, allez, pourquoi pas. 62e. C'est qui part? Carrizo. Pas que tu gagnes. Ah, écoute, après, dans la logique, ça, en vrai, ça peut se passer comme ça. Hein. On va pas en vouloir au jeu ici. Hein. J'ai le seum. Il y a un rouge pour eux. Allez, s'il te plaît. Contre-attaque. Faut y aller. Comment pas la route ? Corner. 89e. Imagine. Non, pas comme ça, EA Sport. Mais non, mais pas comme ça, EA. Mais respectez-vous! Déjà qu'on se fait chier en ligne, en plus... Non, mais pas comme ça! Vous avez pas le droit de faire ça, sérieux! C'est grave! ...89e corner pour nous, on marque pas. Derrière, hop! Oh ben allez! Ils ont marqué deux buts. Non, c'est trop. Dégoûté. Ah, même là, ils sont relous. Hein. Aïe. Oh putain, je suis fâché. On est déçu. Hein. Ah, on est un peu déçu, j'avoue. Alors, on va aller voir le calendrier, du coup. Parce que, bon, bah... On est renversé, normalement. On serait normalement en Europa League. C'est ça. Malmö, Gladbach, Athletic Bilbao. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Recommence le match. Non, jamais. Jamais. Moi, je recommence jamais les matchs, les potes. C'est pas le but du jeu, là, qu'on... Nous, on veut... Voilà, on fait... On fait comme ça doit arriver. 4-2, let's go, on gagne. En tout cas, championnat, on est de nouveau pas mal, j'ai l'impression. Parce qu'on parle, mais en termes de classement, les gars, on est premier 19 points. Hein. On est plutôt pas mal, hein. Hop là. Allez, on peut jouer quand même avec l'équipe normale, là. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Ils nous ont fait mal, hein. Allez, Malmö. Premier match ici. Mail, beaucoup de mails, mais à chaque fois, c'est, voilà, tu vois, c'est toujours ça, quoi. Le plan d'entraînement, le truc, le machin, ils sont relous. Hein. 300 000, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Hein. Là, faut juste que j'aille voir le calendrier. Parce que je veux voir quand c'est septembre, on a le temps. Hein. On a le temps. Toi, je prendrai les jeunes en janvier pour les envoyer en prêt, quoi. Je pense. Les jeunes du centre. En vrai.
C'est quoi, on va faire jouer temps fort. Encore, on va faire confiance au truc, mais c'est vrai que ouais, là, avant, ils ont un peu abusé, quoi. Allez, Europa League, premier match de poule, les amis. Alors, pas chez nous, mais voilà, Malmö, ça fait partie peut-être de l'équipe la plus faible avec nous. Donc, il va falloir espérer prendre les 3 points ici, hein. C'est vraiment super important. Parce que après, c'est pas contre les deux autres équipes qu'on va être serein. Putain. Bien, gardien. Ok. Coup franc. Ok. Mais bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de tenter un coup franc ici, quoi? Après, on peut, hein, pour la beauté du sport, quoi. Mais. Je suis pas certain du délire, quoi. Ouais. C'était une passe, quoi. Penalty. D'accord, super. Très bien. Ça m'arrive aussi dans mon sens, hein. Voilà. Il est énorme, mon gardien, par contre. T'as vu la taille? Déconcentre-le. Dis-lui. Dis-lui que t'as pas peur. Du beau côté, non, ça c'est... Non. Après, il ne faut pas qu'on soit déçu, on le savait, hein. on a un effectif très très jeune, et donc pas avec des notes générales vraiment folles, et donc du coup, c'est plutôt logique que le jeu calcule que les autres équipes doivent nous battre, hein, à la base. C'est plutôt logique, ça. Tu vois, ça, par exemple, dans 2 ans, il la met en lucarne, celle-là. Il faut être... voilà. Faut pas être trop déçu. Je l'ai pas vraiment perdu en vrai. Hein. Salut Skas. En solo. Oh, vas-y, au moins ça. En solo, il y a quand même un mec devant, hein. Mais vas-y. Ça va être galère, hein. Ouais. Je crois que les gars, malheureusement, là, on commence très mal, hein. Très jeune, jouer déjà une coupe européenne, c'est très intéressant pour la... pour la confiance, pour l'expérience, tout ce qui se finit par ans, hein, bien sûr. Ah, dommage. On aurait pu égaliser, on n'a pas été très bon non plus, hein. Faut le dire. Ouais, bon. Défaite malheureusement les amis sur ce premier match. Après c'était à l'extérieur, on va pas trop voilà, c'est pas grave, ça arrive. On a beaucoup de championnats. On joue contre Bâle le prochain match. Donc là j'ai envie de jouer avec l'équipe 2 ici. Parce que contre Bâle ça va être quand même un petit peu plus intéressant. Et il va falloir avoir le gros effectif vu qu'au classement, hein, Bâle est 3ème. On a un petit rapport mensuel. Lui, malheureusement, je crois qu'il faut le libérer. Paris, les potentiels n'étaient pas bons. Là, les deux là sont vraiment intéressants. Hein. Fournier et tout, là, c'est. Ça peut être vraiment cool. Hein. On a un rapport. Nice. Alors, ouh. Non. En fait, il faut regarder le général déjà acquis, quoi. Limite. Là, j'ai pas de pépitas dans ce lot là. Malheureusement. Chez les Anglais. Oh, il y en a un. Toby Reeve, que vous voyez à droite. Je pense que lui, ça peut être une dinguerie. On ira le voir en dernier. Le Toby Reeve, les gars, je pense que ça peut éventuellement. Parce que en fait, là, ils te disent qu'à 16 ans, il peut déjà avoir 70 de général. Donc après, à tout moment, il a 52, il est nul. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais je vais recruter quand même pour voir un peu ce que ça peut donner ces joueurs-là. Joueurs blessés. Dommage. On va répondre peut-être aux joueurs aussi un petit peu qui sont fâchés. Tu es l'homme de la situation, bien sûr. J'ai des âges changés. Super performance.
compris. Je vais voir le centre de formation. Voir ce petit mec que j'ai pris là. Ah, il a 59 seulement, ouais. Après, attends. Est-ce qu'on peut le sauver? Est-ce qu'on peut le sauver du truc? Il est bon en dribble. Alors, ouais. Il est bon en passe, bon en tir, bon en dribble, bon en vitesse. On va mettre mieux offensif. On va voir si on peut le sauver, lui. Je pense pas, ouais. Allez, jour de match. Contre balle. On va simuler avec l'équipe première. Et on gagne 2-1. Parfait. C'était ça qu'on voulait. Lugano en championnat. Qu'est-ce que ça va nous dire ici? Ah, toujours Lugano, c'est galère. 1-1. C'est pas grave. Pas grave, pas grave. Et deuxième match, contre Bilbao. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Un petit rapport mensuel. Et oui, les mois passent vite, hein. 625, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Malheureusement, pas de petit Suisse sympathique. Ça, on s'en fout. Ok. Et les joueurs... Arrêtez d'être triste. Allez, Bilbao. Si on peut faire un truc, là, c'est cool, mais... Pas facile. Ça va être pas facile, bien évidemment. Allez, la Coupe européenne de retour, comme ce soir, en vrai. Je vais au match, voir Servette. Et ça, c'est le plaisir. Je vais pas faire très très long aujourd'hui, les gars, parce que je dois arrêter vers 11h, d'accord? Je sais que c'est un peu chiant, là, cette semaine, je suis pas mal occupé. La semaine prochaine, elle redeviendra une semaine normale, en vrai. J'ai pas mal de petites choses que je dois gérer en off cette semaine. Bien. Bonne récup. Par contre, va falloir nous donner des actions à nous, hein, les gars. J'ai hâte de voir l'évolution de cette équipe-là. J'ai hâte de retourner voir la vidéo quand j'ai eu cette équipe-là et puis 2-3 ans après, voir les générales qui vont avoir les notes. Ça, c'est excitant. Ça prend du temps, mais... Ah, il a essayé de passer. Non, c'est bien, faut tenter. Oh, ça va être en attaque, c'est pour nous, là. Allez. Barcola, putain, mais il y a de l'espace, là. Il y a masse d'espace. Y'a de l'espace. Putain, Barcola. Je suis peut-être le premier joueur que je vais vendre parce qu'il m'a saoulé là. Bien, gardien. Superbe. Contre-attaque, mais là ça va être pas facile. Ah, j'ai essayé, mais galère. Allez. Bien. Non. Hors-jeu. Quoi? Non, j'ai fait quoi? J'ai pas vu. Montre-moi ça. Il y a quoi comme faute? Non, 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 stop. Je vois le ralenti. J'ai pas vu ce que j'ai fait. Non, c'est vraiment ça là-bas. C'est vraiment ça qui siffle là. Oh le bâtard. J'ai mal. Non, j'ai mal. Là, je vous dis, j'ai mal. Là, on se fait humilier.
Ah, c'est, hé, les gars, c'est le niveau là. Hein. Là, voilà. Tu vois tout ce qu'il nous reste à aller travailler. Hein. Défaite à 0. Aïe, 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 aïe. 2 matchs, 0 points. C'est très, très mauvais. Hein. C'est très, très mauvais là, les gars. Malheureusement. On n'est pas serein. Ah, fais chier, quoi. Match à domicile. On va jouer avec la deux équipes 2. On gagne à 0, très très bien. Allez, Lausanne, tout le monde est bien reposé. Du coup, on va jouer, c'est le derby avec l'équipe 1. 4-0, propre, clair, net, précis. Alors, boîte mail. Le plan d'entraînement, il commence à me fatiguer. Hein. Ah, changement de poste ici. On va regarder Rive si on a réussi à le sauver. Il avait 59. Il passe à 60. Ouais, après à 16 ans. Bah, 16 ans, ça reste quand même pas mal, 60. Hein. Il faut pas non plus chier dessus. Hein. On va essayer. On va essayer jusqu'au bout. Hein. Et là, tu vois le latéral, la Fontana. À tout moment. On va le prendre et puis l'envoyer en prêt. Fischer aussi en prêt. Il y a des possibilités ici. Il y a quelques joueurs qui font la gueule quand même. Hein. Mönchengladbach. Alors je vais pas vous mentir, c'était pas forcément contre eux que j'espérais faire des points. Je vous le dis comme ça. Mais bon. Pour l'instant, 2 matchs, 0 points. Le bilan fait mal, les gars. Le bilan fait très très mal. Allez. En plus, c'est chez nous. On aura donc 2 matchs à l'extérieur au retour. Je vous mens pas que là, même 3e, j'ai l'impression que ça s'en va. Attends, il m'a pas refait un cheat code, là. Non. Contre-attaque. Hein ? Non, je l'avais, là. Ouais, ça va être dur. Ouais, c'est clair. C'est logique. Ouh, on est chaud. C'est déjà assez compliqué comme ça. Tu prends de la place dans les cages. Allez. On n'a même pas marqué un but en Coupe d'Europe, quoi. Corner. Ah, ouais, t'aurais pu me donner le corner, quand même. Les frappes. Allez, on peut le faire. Non. Mais comment je rate cette passe? Je dois la faire en l'air. Oh, putain, ça pénalty, ça pour eux, non? J'ai envie de le regarder. Tu sais quoi? Je vais pas mettre de joueur dans le but, j'ai envie de regarder. Gallagher, en plus, il est bon au coup franc, ce bougre. Oh bien, Radu. Super barré. Bon, les gars, je crois que malheureusement... Voilà, on va se dire les choses hein, comme elles sont. Hein. On avait prévenu que ça allait être une saison de transition. Hein. La seule chose que j'ai peur, c'est de me faire virer par rapport aux objectifs, mais bon. On verra. On se prend des vagues. Hein. Bien, ça faille. Superbe. Pour
avoir la balle ou... Bon bah les gars, défaite malheureusement. Troisième match sans points. On n'est pas au mieux. Mais on le savait. Cette saison, faut qu'on la passe vite. Pas qu'on se fasse virer tout de même. Mais faut qu'on la passe vite pour pouvoir avoir enfin un effectif qui peut, un petit peu plus jouer quoi. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a de bien ici? Pas grand-chose, hein. Je crois que malheureusement pas grand-chose. Hein. 120 000, non. 230, non. Par contre, les gars, je vous paye quand même des fortunes. Vous m'amenez pas forcément d'énormes joueurs, là, les gars. Qu'est-ce qui vous arrive? Gérard, t'as mieux bossé ou pas? Pas plus que ça non plus, hein. Vraiment, je suis un peu déçu de vous, les gars, pour l'instant. Il va falloir aller chercher bien plus fort, hein. Bon. Jouer après, bon, ce sera peut-être pas mal aussi de pas avoir à jouer trop de matchs dans la saison et de se concentrer sur le championnat et de pas se faire virer quoi, tu vois, c'est surtout ça qui est important aussi, hein. Parce que pour l'instant tu vois le coach il est pas full content quoi. Oula, il y a un classique. Young Boys, on fait confiance à l'effectif. 0-0, bon au moins c'est pas une défaite, ce qui est très très bon. Vu qu'on était devant, sauf erreur de ma part. Là je vais pas vous mentir, avec 3 défaites, je vais sûrement simuler maintenant. Pour avancer plus vite cette saison, je pense qu'on va simuler. On va quand même mettre l'équipe forte, mais on va simuler ici. On perd 4-2. C'est pas forcément grave, si on n'a pas de coupe européenne, on a essayé, on aurait voulu faire la Ligue des Champions, on n'a pas réussi. Classement, on en est où? Toujours premier, 2 points de balle. On va faire confiance encore une fois à l'effectif, même s'il est un peu fatigué. Il était très fatigué. 3, putain, balle passe devant. Oh là là, la saison commence à se dessiner. On voit un petit peu ce qui va se passer, quoi. Ok. Et là, on va déjà arriver bientôt, sauf erreur, au mercato. Donc ça sera cool. De pouvoir balancer des petits jeux en prêt de nouveau. Non. Malheureusement pas. Non. Putain les gars, oh, vous avez 5 étoiles, vous me ramenez que des pives. C'est quoi votre délire? De match. Winter Tour, ça part en simule. 4-0, voilà, on reprend les bonnes habitudes, c'est très bien. Il est 11h, vas-y, j'ai encore un petit moment. On va aller, je pense, jusqu'au mercato. On va donner de l'expérience à la deuxième équipe aussi. Un petit peu. 1-1. Ce sera notre premier point grâce à l'équipe 2, tout de même. Parce que là, maintenant, on va plus se refocus sur le championnat, bien évidemment, et la coupe éventuellement qu'on n'a pas gagné la saison passée. Parce que, on est forcé de constater qu'on passera pas. Hein. La simulation rapide contre Lugano, c'est bon, ça passe cette fois-ci 2-1. On gagne encore. C'est bien. Est-ce qu'on est repassé devant? On est repassé devant balle. Très, très bien. Allez. Zurich maintenant a enchaîné derrière. Ce serait bien de prendre les 3 points. 1-1, c'est dommage ça. Avant la pause, c'était pas forcément ce qu'on aurait voulu. On aurait préféré clairement gagner. Et donc du coup, les gars, normalement, voilà, dernier match. On peut éventuellement se qualifier. On va pas se mentir. On va pas se qualifier. Faudrait qu'on batte l'Athletic. Vas-y, tu sais quoi, on va faire confiance au hasard. Hein. De toute façon, c'est lui qui décide. On n'aura pris qu'un seul point ici. On va quand même mettre l'équipe 1, mais on n'y croit pas une seconde. 3-1 défaite. Logique, claire et nette. Dernier du groupe avec cet effectif très très jeune. C'est pas forcément grave, ça leur a donné de l'expérience. Malheureusement, ouais, après le...
malheureusement le club est pas forcément super content. J'espère juste pas me faire virer. Faut que j'aille voir peut-être les instructions, peut-être ce qu'on doit mettre en avant pour pas se faire virer, parce que vraiment si je me fais virer à la fin de la saison, là je vais avoir un somme incroyable hein. Et là on arrive normalement aux périodes de mercato ici même. Voilà. Alors, toutes les offres, on va pas se mentir, on va pas les accepter. Putain, il a déjà 72 de Grégo, il a déjà 72 de... Les gars, c'est ouf. C'est ouf. On a déjà des bangers. Hein. Rapport mensuel, on s'en fout, on va les récupérer après. Rapport mensuel de joueurs français cette fois-ci. Non, il y en a peut-être deux ici qui peuvent être sympas. Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Malheureusement pas. Non. Non. Et non. On a pris 4 millions quand même. C'est quand même cool. Risque de perdre 3 joueurs. Ouais, c'est pas grave. Eux, on savait. Ouais. Mais tu vois, il n'y a pas de joueurs où on est déçu de les perdre. C'est-à-dire que c'est que des joueurs sur lesquels on compte pas. Et après, il faudra de toute façon prolonger. Mais le prochain, c'est... Voilà. C'est quand même cool, quoi. On a quand même pas mal de temps. On a quand même pas mal de temps. En termes de valeur, c'est qui les joueurs les plus prometteurs? On a Barcola et Zaïre Emery, bien sûr. Koumbédi aussi, qu'on avait préparé à ça. Greco, à 18 ans. Faye, à 19 ans. Ah, c'est quand même beau, hein. On va avoir une belle équipe après, hein. Clairement. Qu'est-ce que j'ai en boîte de réception que j'ai pas vu? Ok, nickel. Alors, dans l'idée, attendez, est-ce que j'avais pas mis défenseur droit parce qu'il me fallait un défenseur droit dans ma deuxième équipe? C'était pas ça? Je me souviens plus. Peterson, Koumbédi, Frey, Colombo, Sorrentino, Greco, Maziku, Borza, Fay, ok, Zaïre, non, De Souza, Barcola, Branco, Kutesa, Delgado, Benson, Carido, Campos, ok, c'est bon, non. Deuxième effectif, bon. Du coup, centre de formation, on va aller récupérer tous les joueurs qui pourraient être assez fous. Donc bon, Rive, on va pas se mentir. Merci beaucoup, au revoir. Là, on a trois joueurs sympas. Fontana, Fischer et Fournier. On va mettre l'âge. Fontana, Fischer... quand même pas mal hein. On a quand même des beaux joueurs ici. D'ailleurs on va regarder un peu ce qu'ils peuvent nous rapporter les petits là. Et à Fournier Fontana Fontana sexy hein. On va aller voir aussi dans le bureau. Y a pas le... C'est où que je peux voir les... Ce qu'ils veulent de moi, je sais plus. Accueil peut-être. Objectif, voilà. Alors, dans deux saisons, faire jouer au moins un joueur du centre de formation recruté lors de la première saison, lors d'au moins 50% des matchs. Bah, je pense que c'est bon, là, je dois en avoir. Faire une série de 3 matchs sans but encaissé en match à l'extérieur cette saison. Ok. En 3 saisons, améliorer votre club, ça c'est fait. Il faut être champion et gagner la coupe. D'accord. Malheureusement, ça, on a perdu. Mais c'était faible. Ok. Bon, on n'est pas proche de se faire virer, mais ça peut arriver à tout moment, quoi. T'as bien compris le délire. Allez, une offre pour Fischer. Parfait. Bah non, du coup. Non, on veut pas. Non, on veut que des prêts, nous. S'il vous plaît. Là. Nous on n'a pas forcément envie d'aller chercher quoi que ce soit. On peut peut-être aller voir les joueurs libres quand même. Mais on va pas faire grand chose de plus en vrai sur cette sur ce mercato d'hiver. Ah j'ai un rapport ici. J'ai pas vu. Ouh. On n'arrive plus à trouver des pépites, les gars.
On a écumé les pépites. On n'en a plus. Je suis déçu. Transfert. Chercher joueur. Agent libre. On va faire poste par poste parce que sinon c'est la merde. Je sais pas s'il y a des... Tu as des gros joueurs. Ah. Ouais. Après gardien, on s'en fout un peu, j'avoue. On a pas des petits buteurs libres, un truc comme ça. Faut regarder le vert, quoi. Là, de toute façon, si on prend un joueur libre, c'est qu'on a un gros crack qui peut se revendre bien. T'as le nombre de joueurs qu'il y a, c'est abusé. Regardez un peu les âges aussi, tu vois, mais... ans, c'est vieux. Avec ces stats-là, pardon. Y'a pas grand-chose d'intéressant ici, hein, malheureusement. Non. Pas forcément super convaincu, les gars. Ans, tu vois, c'est lui éventuellement, tu vois, il est correct vraiment partout. On va peut-être l'observer quand même. Après, on aimerait des plus jeunes quand même si possible, mais c'est pas forcément déconnant de chercher des joueurs qui va mis 31 ans. J'aurai la couleur des stats, hein. Et dès qu'il y a full vert limite pour au milieu centre, je regarde un peu ce que ça peut donner. 28 ans, tu vois, mais bon. Il restera joueur moyen toute sa vie. 25 ans. Joueur moyen aussi. On n'a pas forcément besoin, mais des fois, tu peux faire une bonne affaire. Puis avoir un joueur que tu peux revendre à la fin de la saison. Donc, ça peut être assez intéressant. Et en défense, bon, bien évidemment, il faut regarder le vert. Ouh. On va quand même regarder lui. Lui aussi. Défenseur gauche, ça peut nous intéresser. Ça, il est libre. Intéressant. Intéressant, il faut soumettre ça libre. Hein. J'ai même pas besoin pour la deuxième partie de saison parce que mon effectif est déjà fait. J'ai mes deux équipes, deux jeunes et tout, etc. Donc on veut pas forcément, mais je te dis une bêtise. Je sais pas, t'as un Griezmann voilà, libre pour le fun. Peut-être qu'on le prend. Voilà, tu vois. Mais y a pas grand chose qui va nous intéresser ici, apparemment. Un prêt pour Fontana, c'est ce qu'on voulait, sauf erreur de ma part avec Fontana. Un prêt de 2 ans. Ah non, c'est qu'il y a une autre. Délégué. Continuons. Offre de prêt pour Fournier aussi. On avait dit que oui, il fallait qu'il ait en prêt. 2 ans. Et Colombo. Non, Chelsea. Hein. Chelsea pour Colombo. Notre défenseur central suisse va beaucoup faire parler, je pense, clairement. L'offre de prêt pour Fischer, elle est à négocier. Après 2 ans. Et Fontana. Alors, on veut qu'il joue. Oh, je vais accepter ici. De toute façon, je vais accepter les deux parce que comme ça, au moins, on est sûr qu'il en prend une. Allez, c'est parti.
Hop là. On accepte le prêt ici pour Fournier. Ok, c'est bon. Ça, on s'en fout. Accord de prêt. Vas-y, on va les laisser comme ça. Ah non. J'avais une réponse à donner ici en dessous. On accepte le 2 ans. Ah, c'est juste ça qu'on va faire sur ce mercato, pas plus. Eibar a dit oui. Aussi. Eh ben, acceptez les deux, battez-vous. Et Fontana, un transfert pour Manchester United, messieurs, dames. Qu'on va... rejeter. Je suis en train de réfléchir, je pouvais pas faire un échange avec un énorme joueur que j'aime bien là-bas, mais bon. On va pas se prendre la tête. On va pas abuser. Bon, de toute façon, on va finir le mercato, je pense, et puis on arrêtera ici, les gars. Ce qu'il va falloir retenir, c'est clairement que là, il va falloir gagner la saison, ou en tout cas être ou en tout cas gagner la coupe, pour pouvoir ne pas être viré. Laissez-nous le temps de faire monter nos petits jeunes. Parce que vraiment, il y a quelque chose, quoi. J'ai appris que Shandon Baptiste avait approché pour lui. Ah oui, non, ouais, mais bon, les gars, je suis en train de regarder, je vais pas me précipiter, quoi. Colombo, rejeté. Il ne partira pas, messieurs, dames. Mais vous voyez que Colombo intéresse les plus grands clubs européens, hein, pour l'instant. Allez, ça part. Le prêt de Edgar. Reviens-nous en forme, frérot. Tu peux faire du bien. Tu peux faire du bien, très clairement. Allez, les rapports finaux sont arrivés. Les rapports finaux, messieurs, dames, alors. Est-ce qu'on a de la pépitas? Ouais, c'est pas dingue, hein. En vrai, c'est pas dingue, quoi. Oh, faut soumettre ça, le problème, c'est que... Après, faut soumettre ça, mine de rien. Quand même un 4 millions à récupérer derrière. Oh, j'ai la flemme de le prendre, ouais. Non, non. On prendra rien. On reste avec l'effectif. Tu regardes l'équipe, en vrai. Tu regardes l'équipe. Là, on a déjà Greco qui est plutôt pas mal. Colombo qui va augmenter. Koumbédi 75. Barcola 80. Zaire Emery 79. C'est, en fait, je te jure, c'est juste ces deux buteurs-là. Il faudra qu'ils montent vite. Après, là, ils sont jeunes, 16 ans. Mais dans 2 ans, ils auront déjà une bonne stat pour Servette. Et je pense vraiment qu'on peut faire des trucs fous avec eux, quoi. Offre de transfert pour Borza. On veut rien vendre. Laissez-nous tranquille. Encore Colombo, mais Colombo c'est ouf, hein. Il restera avec nous, messieurs dames, je vous le dis. Allez, on va à la fin. On passe à date limite. C'est terminé. Rien ne part. Abraham est parti, sympa. Abraham à l'Atlético. Ok. Gestion au poste de capitaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi? J'ai remarqué que face au prochain match, tu as choisi le capitaine qui n'a pas vraiment une âme de leader. Stéphane Radu. Tu veux Stéphane Radu en capitaine? On peut si tu veux, c'est pas un problème. Après, pourquoi pas mettre Zaire Emery en vrai? Ouais, je pense Zaire Emery en capitaine pour être la logique. Rapport mensuel. Allez, sortez-nous un truc là. Là, je suis presque persuadé qu'ils vont nous sortir un truc parce qu'on peut plus pas lancer des gens en prêt. Je sens qu'il va avoir un bon délire, là. Bon, apparemment, pas dans les Français. Non. Et non. Peut-être ici. Non. Y'a rien. Aïe, aïe, aïe. Mes recruteurs, je suis à deux doigts de les licencier et d'en reprendre d'autres. Hein. Ça va pas, ça. On compte sur vous, les gars. C'est fou, ça. Bon. Allez, simulons un petit peu ce match-là. Et on arrêtera ici, les gars. On gagne 3-2. Parfait contre Saint-Gall. On va aller voir où en est le classement.
histoire de se rendre compte où c'est qu'on en est. On est deuxième pour le moment avec un match en retard. Il est important de gagner le prochain contre Lucerne. Ce sera la suite qu'on fera. Mais pour l'instant ça va, pour l'instant ça va. On est in. On est in. Putain, ils ont tous le diamant rouge là quand même, l'effectif. C'est ça qui me fait peur. Mais bon, voilà. Écoute, on verra bien par la suite. Bon, on s'arrêtera là pour aujourd'hui les potes. Putain, mais ils ont tous le truc rouge quand même. Bizarre. Donc pas de stream avant lundi prochain les potes. Servette. Hop là. Ok, bon, les petits potes, on se capte lundi prochain, d'accord? Je vous laisse là, prenez soin de vous, faites pas trop les fous, je vous fais des bisous, à la prochaine Step Psycho, ciao les gars!